Cette vidéo cajette sur l'empowerment est tournée dans le cadre d'un laboratoire d'idées animé par le Comité 21 Grand Ouest et Sémenia. Salut, ça va ? Oh, j'en peux plus. Tu sais, je suis chargée de mission développement durable et en ce moment, j'arrive pas à mettre en mouvement mes collègues. Je me sens toute seule. Tout le monde est d'accord sur les grands enjeux du développement durable, mais quand il s'agit de changer les comportements, il n'y a plus personne. Oula, toi, tu aurais besoin d'une bonne dose d'empowerment. Empower quoi ? Empowerment. D'après le Petit Larousse 1986, l'empowerment, c'est l'autonomisation. Bon, en réalité, il n'y a pas de véritable traduction en français. Mais le principe, c'est reprendre confiance dans le pouvoir de chacun à agir. Et dans notre cas, c'est en faveur du développement durable. Et concrètement ? Concrètement, j'ai vécu une expérience collective sur 18 mois, en 4 sessions, pour qu'on travaille ensemble à expérimenter l'empowerment. Et c'est-à-dire, ça consiste en quoi ? Ben, on s'est retrouvés, personne ne se connaissait, et chacun venait d'horizons complètement différents. Collectivité, entreprise, etc. Le lieu est atypique, les meubles bougent, les cloisons aussi, on peut écrire sur les murs. Tu vois, ça nous a aidés à sortir du cadre et à changer nos repères. Et on a alterné exercices, jeux de rôle, défis, débriefs, apports théoriques. Ça a été vraiment efficace. Tu commences à m'intéresser. Qu'est-ce que vous avez fait ? Tu peux me raconter ce que ça t'a apporté ? Moi, j'en ai retenu 4 éléments principaux. Le premier, c'était le lâcher prise. Pour ça, on a expérimenté le fait de trouver un consensus au sein d'un groupe de plus de 10 personnes. C'était difficile. T'imagines qu'on a dû faire des concessions pour que ça fonctionne pour tous. Ensuite, le fait de clarifier ses intentions. Par exemple, on a fait un jeu de rôle. Et là, on s'est rendu compte que pour atteindre l'objectif, il fallait que les consignes soient vraiment claires. On a aussi travaillé sur la bonne compréhension. On est sorti et dans la rue, on s'est confronté à des inconnus. On les a questionnés sur le développement durable. Et sincèrement, ce qui nous paraît parfois évident, ça ne l'est pas pour tout le monde. Et enfin, on a travaillé sur l'entraînement. Là, on a analysé le documentaire Demain pour essayer de comprendre quelles avaient été les clés de son succès et surtout pourquoi il y avait eu un tel engouement autour de ce film. Ouais, c'est très intéressant. Ça me rappelle vraiment ce que je vis en ce moment. En fait, ça me fait penser à des astuces pour faciliter le passage de l'individuel au collectif. Ah oui, c'est exactement ça. On a alterné la théorie et la pratique, et on a abouti à quelques éléments qui nous paraissaient importants. Le changement de comportement, la bienveillance, l'importance de l'ouverture, et enfin la confiance, et la confiance en la capacité de chacun à passer à l'acte. Donc si j'ai bien compris, c'est d'abord un travail sur soi pour ensuite entraîner les autres, emmener les autres, et que chacun soit responsable. Tu sais que ça commence à me redonner sérieusement la patate tout ça, hein, ton empowerment. C'est marrant que tu parles de patate. Est-ce que tu penses qu'il est possible de transpercer une patate avec une paille ? Hein ? Bon, non. Écoute, je te lance le défi, et on s'en reparle la prochaine fois. Ok.